Tommy. Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Oui, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. Hey. Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant, je suis trop fatiguée pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie, c'est... C'est quoi? Gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Bonne nuit, Trésor. Allô? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Allô? Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Unfall71, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau Let's Play tout simplement sur cette chaîne, donc sur The Last of Us Remastered. Vous avez été la majorité à voter pour ce jeu, donc le fameux Remastered de The Last of Us, voilà, l'exceptionnel jeu qui a vu le jour sur PS3 il y a un peu plus d'un an hein, de ça, il y a à peu près un an et demi. Voilà, donc vous avez été je sais plus combien, vous avez été 169 je crois, à voter pour le Stropole, et franchement j'ai été vraiment surpris, je m'attendais vraiment pas avoir autant de monde pour voter, donc je vous en remercie. Vous avez été, je crois, 28 à voter pour ce jeu, suivi de Back to the Future à 21 et Uncharted 3 à 18. Voilà, tout simplement. Et en quatrième position, c'était la fameuse phrase tes jeux, c'est de la merde, vert fit foutre. Ça m'a surpris, je pensais que personne allait voter pour ce truc, mais non, vous avez été voté 16 à voter pour ça. Donc, soit vous aimez vraiment pas les jeux que je joue, ou soit c'était parce que ça vous a fait rire, en fait, tout simplement, je sais pas. Enfin, bref, on va donc s'attaquer tranquillement. Maintenant, à The Last of Us, voilà, donc c'est parti, nouveau let's play. J'ai déjà fini le jeu 3 fois, je crois, ou 2 fois, je sais plus. Enfin, j'ai déjà fini un certain nombre de fois. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je l'ai mis dedans, hein, tout simplement. Voilà, donc là, on va fouiller vite fait. Ceux qui veulent lire, hein, ils mettent pause, comme d'habitude. Vous connaissez les bails, vous connaissez comment ça marche. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs à faire? Je m'en rappelle plus. Hein. Bon, c'est vrai que par contre, le dernier coup que je l'ai fait, ça remonte assez loin. Ça remonte à très très loin. Bah regardez mes achats hebdo, vous verrez bien tout simplement. Je dis tout le temps à la fin de ce que je raconte, donc du coup, ça marche pas. Bah non hein. Bon allez, casse-toi de là maintenant. Va-t'en. Ah c'est pareil, que je précise quand même une chose, vous verrez le jeu en 30 fps, mais évidemment moi je joue en 60 fps. Mais voilà, vu que je n'ai pas de capture, de boîtier de capture en 60 fps, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, vu que c'est pas forcément le plus intéressant, le 60 fps, voilà, on s'en fout un peu. Hop, allez, on va lire ce petit journal. Il commence déjà à bailler, par contre ça va pas aller.
Alors, pour information, il est exactement 1h23 du meeting, levé depuis 3h. Voilà, donc forcément, au bout d'un moment, eh ben, tu bailles, quoi, j'ai envie de te dire. Mais bon, je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo. Ce serait de moi, je serais allé me coucher, mais je me suis dit, il faut vraiment que je fasse cette vidéo, sinon ça va traîner. Et il faut que je fasse le let's play, il faut que je commence un jour, alors. Bonjour? Ça fait boum! Ça fait boum! Oh waouh! Papa? Tu commences bien, hein? C'est génial! C'est génial! Alors pareil, je sais plus comment ça. Attends, il n'y a pas eu un truc là? Ah oui, la télé qui fait bzzz, comme ça, ok. Alors, je sais plus comment marchent les sauvegardes dans ce jeu. Donc, pour God of War, c'était relativement facile. J'arrivais à une sauvegarde, j'arrêtais tout. Mais alors là-dedans, ce jeu, je sais plus comment ça marche. Donc, je crois que c'est des sauvegardes automatiques. Mais comment ça marche? Je m'en souviens un peu. Ouais, je deviens vieux, qu'est-ce que vous voulez, hein, la mémoire, voilà, on la perd au fur et à mesure. Alors, d'accord, là, il y a son téléphone ici, oui, voilà, effectivement. Il me semble qu'il y a un message sur le frigo, il est où? Ah oui, voilà, il est là. Il y a écrit quoi? Je vais rentrer tard ce soir, ne m'attends pas pour... ne m'attends pas, comment de la manger, on se voit demain matin. Où est-ce qu'il Dans ton cul... Pardon, excusez-moi. C'est un petit réflexe. Oula, attendez, il faut que je... Hop. Rappelle-moi. J'arrive bientôt. Ok. Genre de truc pas très rassurant, tu vois. Hop là, allez, vas-y, pose-moi ce téléphone. Non, déjà, on va pas passer une demi-heure là-dessus. N'est-ce pas? Alors attendez, je vais. Ouais, ça. Oui, mon micro, est-ce qu'il capte. Il capte bien. Il capte bien, mais bizarrement. Donc j'espère que ça va être bien. Bon, je pense, hein. Ok. Ah, bonjour, le voilà. Te voilà. Sarah, tu vas bien? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes. Ah bon, parce que... Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les Cooper. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Putain! Jimmy! Papa! Chérie, viens là, viens là. Jimmy, je te préviens! Allez, allez. Sarah. Je l'ai vu ce matin. Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris. Vous avez passé. T'es au courant de ce qui se passe dans le coin? T'as du sang partout sur toi. C'est pas le mien, tirons notre histoire. Il paraît que la moitié de la ville a perdu le pédale. Est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît? Qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard. Hé, Sarah. Comment ça va, chérie? Ça va. On peut allumer la radio? Ouais, bien sûr. Merci. Portable. La pauvre gosse, elle a vu quelqu'un se faire descendre sous son nez, l'autre lui demande est-ce que ça va? Oh, ça va, on s'en va très bien, je vois ça tous les jours en me levant, c'est génial, j'adore. Il est quelle heure en plus là, on le voit, on sait même pas à l'heure qu'il est. Ils ont dit le nombre de morts? Sûrement un paquet. La famille a été retrouvée mutilée dans sa maison. Désolé. Dieu, comment c'est arrivé? Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, il parlait juste du sud. Maintenant, il parle de la côte est, de la côte ouest. Merde. C'est la ferme de Louis. J'espère que cette enfoiré s'en est tiré. T'en fais pas pour lui. Malade? Non, bien sûr que non. Comment tu le sais? Disait que c'était des gens de la ville. Jimmy ne travaillait pas en ville? Si, c'est ça. Alors tout va bien, propre. D'accord. Comment se rassurer comme tu peux, tu sais? Qu'est-ce que tu fabriques? Continue. Ils ont un gosse, Joël. Nous.
nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Instinct de survie. Pense à sa gueule. Vous ferez quoi, vous, à votre place? Enfin, à leur place, plutôt. Hein? Donc, tu cours, hein. Moi, il m'otep, hein. Je pense à ma gueule. Les autres, hein. Eh, chacun sa merde, mon... je suis salaud, mais j'ai jamais prétendu être quelqu'un de bien non plus. Voilà. Ah. Fausse bonne idée, mec. Bah. Oh, pas non. Explosé le nez contre la vitre. Non, 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 non. Je fais de mon mieux. On peut pas rester ici. Eh merde, je peux pas leur foncer dessus. Alors fais demi-tour. Ils sont aussi à mon cul. Là, là, là. Accroche-toi. Allez, hein. Ça, je m'en souvenais plus qu'il y avait un truc qui fonçait dessus à chaque fois. À chaque fois, j'oublie. Moi, je crois qu'ils vont partir, mais non. Il y a tant une merde. Faut qu'il y ait une merde, sinon ça s'appelle pas un jeu, en fait. Oh putain, je me suis fait bouffer l'autre. Recule, Mathis. Recule. Et encore. Ah. Non. Vous avez entendu le bruit qu'il a fait le truc en arrivant? J'avais jamais fait attention, mais ça envoie du rêve. On va devoir courir. Je compte sur toi. Allez, ma puce. Allez, go, on y va. Cours, cours, cours. Cours, cours, cours. Putain, la vache! Oula! Ne regarde pas ça! Pardon! Faut que je passe par où là? Je crois là, hein. On va s'en sortir, c'est promis. C'est un sacré bordel quand même! T'imagines si t'arrives ça dans la vie, tu paniques quoi. Enfin dans la vraie vie, c'est... Mon diable, mon dieu. Faut aller par là. Faut aller par là, vite. Il est où Tommy? Quelqu'un? Ah, il est là. J'arrive. Regarde, je vais même tomber la poubelle. Voilà. T'as vu, je fais du bruit en fait. Oh putain. Attends, je vais attendre un peu. Oh non, cerclé. À l'aide. Yo! Vas-y, full. Voilà, patate dans la gueule, mon gars. Voilà, ah bah, je suis pas vraiment une patate, mais bon, ça revient au même. On y est presque, mon gars. Les pauvres poubelles, ils ont rien demandé. Il clique à droite, voilà. Hop. Putain, mais ils sont fin fous, les autres. Allez, on rentre. Allez, on y va. On y croit. Allez, go Joël, go. Moment stressant de Last of Us là. Allez, on y va. Ah, tu vois l'ombre du machin qui court après là, je crois. Ben, pas là parce qu'il n'y a pas de lumière, mais plus loin là, avec le vieux bruit, tu te dis putain vite, vite. Et cours, même là ça me stresse quoi. Genre, regarde, tu vois les ombres et tout, c'est super bien fait quoi. Voilà, voilà. Ouh. Hey, on a besoin d'aide. Stop, s'il vous plaît. C'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas. Ok.
Nous ne sommes pas malades. J'ai 2 civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde. Je vous en prie. Oh non. Sarah! Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Non. Non. Non, pitié. Oh Dieu. Pitié, pitié, pas ça. Pitié. Le dernier de nous. Voilà. C'est bon, on était de bonne humeur, ils nous ont mis le cafard, ces enfoirés là. Nous avons voilà. Désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. Désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des 2 attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdu dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Eh oui, les Lucioles... Alors ça fait combien de temps là? 19 minutes, il faut que j'en enlève 2 parce que j'ai commencé un peu plus tôt, d'accord, ok. Bon ça va, on a encore un petit peu de temps quand même. 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, je suis toujours en train de commenter une vidéo. Donc s'il vous plaît, respectez-moi, ok. Le truc qui a rien à voir. Ouais, j'arrive. T'as bien dormi? T'en veux un? Non, non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seule, tu te souviens? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre cam. Est-ce que je me trompe? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Ouais, ben je suis prêt maintenant, ok? Oh, ça va. Il est gracieux, le mec. Faut pas faire chier. Attention. Et voilà.
Allez, ça va être vraiment parti cette fois pour la vraie aventure de The Last of Us. On voit déjà bien que c'est un peu le boxon là, le gros bordel, le dawa comme on dit. Le poste 5 est ouvert. On a que quelques heures avant le couvre-feu. On ferait bien de se manier. Allez, go. J'ai reçu les foutus paquets ce matin. J'ai été choisie pour travailler hors de la zone. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le boulot des soldats d'aller dehors. Je penserai à leur dire. Bon, allez. On va aller voir justement ces soldats. On va aller leur causer, qu'ils nous laissent passer. Ce serait fort sympathique de leur part, n'est-ce pas? Attention. 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 Ah. Visiblement, ils aiment bien l'aérothermie là-bas. Ma foi, regardez ça. Regardez. Regardez le nombre d'appartements équipés d'aérothermie. Il y en a au moins. Bah, il y en a 6. Voilà. Bon, en même temps, c'est un bon choix. C'est un bon chauffage. Oh, punaise. Puis il y en a partout ici. Oh, bah, il y a des noms. Alors, soit les textures coûtent pas cher. Non, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Ça, si, ça fait stylé, mais je veux dire. Voilà. Bref, je m'enfonce. J'arrête. Je m'enfonce. Ah, je crois qu'on peut leur causer à eux là-bas. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Salut, Joël. Salut. Bonjour. Tu sais qu'ils ont emmené Marianne? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus l'arrêter au beau milieu de la nuit. Ils l'accusent d'être une luciole. Tu le crois, ça? Oh, baisse d'un ton quand tu parles des lucioles. Quelqu'un de mal intentionné pourrait t'entendre. Ouais, t'as sûrement raison. Bon, je peux pas courir là encore? Ils les ont lâchés. Toutes les squads? Ouais. On m'a dit qu'ils les avaient. J'ai eu de nouveaux papiers. On ne devrait pas avoir de problème. Ah, c'est vrai que le. C'est bon. Circulez! Je suis désolé, hein, mais c'est pas ma faute si ça, les sous-titres sont pas coordonnés avec la voix. Si la voix a des bugs, c'est le jeu. Hein. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'était dégueulasse. Ils ont même pas corrigé dans les versions remastered. Mais bon, hein. C'est le début. Après, ça va mieux. Après, ça y fait plus. Mais voilà, il y a deux, trois passages comme ça. Ah, c'est. Oula! Je me tire, hein. Allez! Allez! Ah voilà! Joël, on y va! Elle! Allez, Jojo! Attention, le poste de contrôle 5 est fermé jusqu'à nouvel ordre. Voilà! Pas compliqué! Ça aurait été trop beau. Rafistale-toi, ok? Alors oui d'accord, OR2, ok. Je suis obligé d'y faire maintenant? Oh. Voilà. Et pendant qu'on y est, pendant que j'y pense, pendant qu'il se passe pas grand chose là, c'est vrai qu'on voit que ce jeu, regardez quand même, même au niveau des textures de Joël, des cheveux sur les murs là et tout, regardez. Je trouve que on voit que le jeu a été entre guillemets fait pour la PS3, mais tout de suite après, ils ont dû commencer le développement pour PS4, je pense, parce que il y a une nette différence par rapport au Uncharted, quoi. Enfin, Uncharted, il y a une grosse différence aussi, mais encore plus sur The Last of Us, je trouve. Ça donne quoi dans le tunnel Est? RAS. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez? On va rendre visite à Robert. Vous aussi? Qui d'autre s'intéresse à lui? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Je trouve qu'on a vraiment affaire justement à un jeu PS4, quoi. Clairement, c'est super beau. Même si ça vient de PS3, je suis désolé. On ferait bien voilà, de trouver avant les lucioles. Je peux pas courir, non. Je peux pas courir. Je veux courir, s'il vous plaît. Ah oui, on va bientôt récupérer notre sac. Et je pense que. Ah bah non, il y a encore le temps. J'allais dire, je pense qu'on arrêtera après. Mais non, encore une bonne dizaine de minutes. Ça commence à être le bordel dehors. Comment ça se passe ici? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldat ou d'infecté. Ça fait plaisir à entendre. Allez. Joël, tu peux m'aider à pousser ça?
Oui, s'il veut, voilà. Faites attention à vous là-bas. Comme d'habitude. Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'il jette ici. Pas plus rien. Ah, voilà, merci. Allons prendre notre matos. Bah ouais. Oui, mais ah voilà. D'accord. Ok, let's go. On y va. On court. Un. Notre matos. Il est là, le matos. Oui, oui, oui. Le pistolet. Comme par hasard. D'accord. Voilà, ça va tout de suite mieux. Cool. Non, j'ai pas envie. Tu démerdes, punaise. Commence pas. Oui, oui, oui. Ah putain, comment il bouge. Allez, on y va, on y croit. Alors, faut passer là, hop. Allez, viens vite. À toi, à moi. À toi, à moi. À moi, à toi. Allez. Voilà. Bien joué. Ça, c'est du professionnalisme. Ça, c'est de la coopération. Du travail d'équipe, je veux dire. Ça, c'est bien, ça. Ok. Boum. Attendez, je me gratte un petit coup le bras. Voilà, ça fait du bien. Essayez quelque chose à fouiller. On va fouiller un petit peu. Hein. On va beaucoup fouiller, de toute façon, durant ce let's play. Bah oui, hein, il y a des trucs à récupérer, qu'est-ce que vous croyez, vous, que ça va comme ça? Mais non, non, ça va pas comme ça, justement, ils nous ont fait chier avec des compétences, et il faut des trucs pour acheter des compétences. Ah oui, voilà, non mais quelle idée, franchement. Enfin bref. Donc, oui, on va fouiller, là, moi, visiblement, personne. Attendez, je vais remballer encore un coup. Voilà, je suis vraiment désolé, mais hop, allez, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? On dirait un rancard. Ouais, je suis déjà en romantique. D'autres atouts. Faut que je cherche quoi là déjà? Une échelle, non? Je sais plus. Ou faut que je fasse peut-être tout simplement là-bas? C'est super beau cet endroit, sans déconner. Regardez ça, c'est magnifique. Magnifique! Je peux monter sur la voiture? Non. Ça aurait été trop beau. J'aurais bien aimé. Ça aurait servi à rien, mais j'aurais bien aimé. Elle est quelque part dans le coin. Elle est par là. Mais elle est par loin, hein. Je l'ai. Hop là. Ici. Attends, j'arrive. 2 minutes. Merde. Hop. Allez, Joe. Tac. Hop. Et. Honneur aux dames. Dame, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Voilà. Ça c'est fait. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre dans le coin? Oh, je pense pas, pas dès le début. De toute façon, là, je pense pas qu'il y ait quelque chose pour le moment à récupérer. Ah! Quoique. Ouais, c'est pas ça que je voyais. J'avais oublié qu'il y avait ces trucs-là à récupérer. Ok. Bon, comme je vous l'ai dit, ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu. Hein. Bon, voilà, vous m'excuserez hein, si j'ai 2-3 oublis par moment. D'ailleurs, j'ai jamais fait. Je prétends pas connaître le jeu par cœur, loin de là. Hop. C'est pour ça que je vais quand même me permettre de fouiller. Tac. Voilà. Alors, il y a quoi ici? Je peux monter? Non. Et eh ben, allez, hop, on continue. Notre route. J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir l'écouler facilement. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison? Ben, on voit Bill le mois prochain. A priori, on aura des médicaments et des tonnes de munitions. Attends, des sports. Des sports, clame-tu? Il n'y avait rien la dernière fois. Elle provient forcément de quelque chose. Sois prudent. Hop là. Croupir. Voilà. Hop. Ce qu'on cherchait. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Le pauvre bête. Enfin, le bête. Ouais, humain. Plutôt, devrais-je dire. Oh merde. Ça va? Ouais. Pour le moment, oui, ça va. Attention.
Attention au plafond. T'inquiète, j'arrive. Je fouille. Tu permets quand même? C'est bon, t'es en train d'agoniser, t'as bien deux minutes. Moi je suis en train d'essayer de survivre. Priorité à la survie. Voilà. Oui, je suis un salaud. Et alors? Tu te démerdes. Attends. Y'a rien là? Bon bah attends, j'arrive monsieur, vous êtes où? Attends, bouge pas. Enfin, il veut pas bouger non plus. Je suis perdu là. Au secours. Ah, ok, il est là. Voilà, putain, c'est pas facile à viser là. En route. En route. Ah, ça se trouve, t'es obligé de le tuer en fait. Je crois que j'ai. Oui, je l'ai jamais laissé ce choix en fait. Je l'ai toujours. Enfin, je l'ai toujours tué ce pauvre bonhomme là. Mais c'est bizarre, il n'y a rien à récupérer là. Bon, écoutez, tant pis hein. Oh. Ah, c'est quoi le bouton R1? Ah, ok. Attends. D'accord. Je me rappelle de comment ça marche. Marche doucement, Joël. Voilà. Il faut pas faire le fou, il faut y aller tranquillement. D'accord. J'ai la santé pleine. Ils m'ont pas vu, hein? Non, c'est bon. Là, on est plutôt bien, là. Hop, là. Alors ici, c'est. Voilà, des petites munitions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Normalement, il y a. Non, il y a rien d'autre. Ok, on va appuyer sur R1. On va aller tout doucement, hein. Faut pas aller vite parce qu'après si tu te repères, bah, c'est un peu le bordel quand tu perds de la vie inutilement. Faut bien. On va pas se mentir, hein. Il y en a sur le l'évier là-bas. Donc. C'est pas grave, mais bon, autant jouer le jeu. Autant jouer le jeu. Le jeu veut pas qu'on se fasse repérer. Bah, on va faire en sorte qu'on se fasse pas repérer, c'est tout. Hein, voilà, on va être gentil. On va être gentil avec le jeu. Ok, il y a quoi là? Rien. Au moins comme ça. C'est réglé. Allez, let's go. Faut continuer par là, non? Ou c'est comment? Je m'en rappelle plus. D'accord. Okay. Un petit mot. Ah, une petite barre de santé. Ah, c'est bon. Y a rien. Ok, on se casse. On perd pas de temps. C'est par là. C'est par là. Je vous confirme. Voilà. Oups. Alors. Ils m'ont mis carré pour. Ah, mais ils viennent! Bon, bah voilà. J'ai fait le con. Hein? Voilà, c'est pas grave. Ça me fait un peu d'action comme ça. C'était pas très compliqué. Je pensais pas que. Bah écoute. Enfin, c'est comme ça. Alors, attendez, comment. Je sais pas trop comment. Attendez, hop, sauvegarder. Sauvegarde automatique en cours. Patienter. Ah, ça veut dire que ça a dû sauvegarder maintenant. Ok. Alors, attends. Attends, on est le 31-10-2015. Faut que je me trompe dans les sauvegardes. Voilà, hop. Il faut que je sauvegarde sur celle-ci. Oui. Ah, oh, j'aurais peut-être pas dû sauvegarder sur celle-ci. Oh, bah c'est pas grave. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse deux sauvegardes différentes comme avec God of War si jamais ça bug. Alors attends, option. Voilà, donc je vais arrêter l'épisode maintenant, les gens. Donc j'espère en tout cas que. J'espère que ce premier épisode sur. Attendez, je vais mettre pause. 1-1. Voilà. J'espère que ce premier épisode sur The Last of Us Remastered vous aura plu. Faites-le moi savoir. Voilà, on se retrouve dans une semaine, comme avec God of War, comme avec Assassin's Creed, je crois également, que j'avais fait. Voilà, tous les dimanches ou presque. Sauf si y a un petit souci. Enfin bref, on se retrouve dans une semaine pour la suite. Et j'espère avec d'autres vidéos dans la semaine, tout simplement. Ou en espérant que ce let's play et que cette vidéo vous. Enfin, que le let's play vous plaira et que cette vidéo vous ait plu. On se retrouve à très vite. Allez, salut à tous. Ciao, bye bye.